Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. En fait, cette vidéo est un peu spéciale. En fait, elle sert d'ouverture en fait à la playlist que je suis en train de créer, qui devrait réunir l'intégralité des cinématiques du jeu Xenoblade Chronicle Definitive Edition. Alors le but c'est pas que les gens aient accès à l'intégralité des cinématiques et pour les empêcher d'acheter le jeu. L'objectif c'est simplement en fait de vous faire découvrir le début de cette histoire pour justement voir si ça vous donne si ça vous intéresse d'aller plus loin, sachant que le jeu il commence un peu comme un shonen, un peu comme tous les JRPG aussi, où on accompagne une équipe de héros qui vont évoluer, etc. Mais une fois que vous aurez un peu plus avancé dans le jeu, vous allez très vite vous rendre compte qu'en fait ça va quand même plus loin que ça, quoi. Il y a des sujets qui sont abordés et la vision de l'univers dans lequel on évolue, elle s'élargit de plus en plus et on se rend compte que ça se résume pas uniquement à une bande de copains qui veulent détruire les grands méchants. Ça va plus loin que ça, quoi. Mais donc voilà, le but c'est simplement de vous faire découvrir ça et puis de vous donner envie justement d'acheter le jeu et de le faire par vous-même, quoi. Parce que pour moi, comme beaucoup de personnes, je pense qu'aujourd'hui le jeu vidéo c'est devenu un peu le 8e art, quoi. Parce que comme dans les films ou dans les livres, ils sont capables de raconter des histoires très riches, etc., qui peuvent traiter des sujets assez profonds. Donc voilà, si vous appréciez ce que vous allez découvrir dans les premières séries de vidéos, seule chose que je peux vous donner comme conseil, c'est d'acheter le jeu si vous avez la Switch et de le faire par vous-même en fait, parce que là vous allez tout de suite découvrir que déjà là dans les cinématiques vous aurez pas toutes les parties annexes du jeu, donc les quêtes annexes qui approfondissent en fait un peu l'univers, etc. Et vous allez louper aussi tout ce qui est exploration, sachant que ce jeu justement il donne envie d'aller explorer, de découvrir plein de choses, de fouiller les zones de Phantom Comble. À chaque fois il y a des petites zones secrètes qui sont cachées. On vous récompense quand vous les trouvez, etc. Et puis voilà, puis tout le jeu se passe sur des titans énormissimes. Et voilà, vous passez d'une zone à une autre, et en fait, vous voyez bien que vous vous déplacez sur le titan, quoi. Là, vous aurez les cinématiques, mais vous n'aurez pas l'expérience vidéoludique que vous procure ce jeu qui est, pour moi, l'un des meilleurs jeux, toute génération confondue. Bon, après, moi, je suis pas trop JRPG à la base, je suis plus jeu d'aventure. Et c'est pour ça d'ailleurs que celui-là est plutôt bien, parce qu'il y a toute la partie RPG qui est plutôt bien conçue, etc. Mais il y a aussi, justement, toute cette partie exploration, partir à l'aventure, découvrir des zones, des nouveaux monstres, se faufiler entre des monstres qui sont plus puissants que nous pour pouvoir accéder à une zone qui est derrière eux, etc. Donc ça, voilà, les cinématiques ne vous apporteront pas toute cette richesse-là, quoi. Le mieux, ça reste de découvrir tout ça par vous-même, histoire de vous faire un avis sur l'œuvre au complet, quoi. Pas juste l'histoire via ces cinématiques, quoi. Voilà, bon, alors après, je suis pas sûr de mettre l'intégralité, parce que déjà, ça prend pas mal de temps à faire le montage et puis après uploader les vidéos. Mais c'est aussi, moi mon but c'est pas de les monétiser, hein, je vais pas gagner de l'argent dessus, c'est simplement vous faire découvrir justement. Donc après je sais pas aussi du coup si Nintendo me laissera les vidéos sur ma chaîne. Ils vont peut-être au final se rendre compte que quasiment une bonne partie de leur jeu est sur internet et sur YouTube, etc. Et on sait qu'il y a certains éditeurs, ils aiment pas trop ça, quoi. Bon, après le jeu est déjà sorti, hein, donc peut-être qu'ils les laisseront pour justement dans l'optique que les gens découvrent l'univers via les premières vidéos et que ça leur donne envie d'acheter le jeu en lui-même par la suite, quoi. Donc voilà, c'était simplement ça que je voulais vous dire dans cette petite vidéo d'introduction de cette playlist. Donc voilà, vous pouvez maintenant enchaîner avec les vidéos et puis commencer à regarder les vidéos qui réunissent les différentes cinématiques. Je suis loin d'avoir fini le jeu pour l'instant, donc je vais aller au fur et à mesure et puis j'upload chapitre par chapitre en fait. Donc voilà, là j'ai déjà le chapitre 1 et 2 qui sont prêts à être uploadés, donc voilà, ça va arriver par la suite, quoi. Voilà. En espérant que cette série de vidéos vous plaira et puis que ça vous donnera surtout envie de vous procurer le jeu et puis de le faire par vous-même, même si forcément ça prend, c'est assez chronophage, hein, c'est un JRPG où vous allez passer plus de 100 heures de jeu si vous vous amusez à faire tout ce qui est quête annexe et puis voilà, prendre votre temps pour jouer, vous en aurez pour plus de 100 heures de jeu, quoi. Donc
Donc voilà, je peux aussi comprendre que tout le monde n'ait pas le temps à consacrer justement à jouer à un jeu aussi long. Donc bah là, ça permet aussi à ces personnes-là de découvrir l'histoire, l'univers du jeu sans avoir besoin d'y jouer. Donc voilà, bah, en espérant que cette petite vidéo de présentation vous aura plu. Et puis bah, je vous laisse enchaîner avec les autres vidéos. Allez, bonjour à tous, ciao.